Bonjour les amis, comment ça va? Tout va bien? Sabah el khair asdikai, kayfa halkum bi khair? Ahlan bikum fi hissa jadida min hissas el lugha el faransiya. S'il vous plaît, faites attention. Maintenant, nous allons apprendre les fruits. Une pomme. Une fraise. Une orange. Une cerise. Une poire. Une banane. Faites attention, mes amis. Aujourd'hui, nous devons nous souvenir de la leçon le singulier et le pluriel. Un nom est au singulier lorsqu'il désigne une seule chose, une seule personne et un seul animal. Un nom est au pluriel lorsqu'il désigne plusieurs choses, plusieurs personnes, plusieurs animaux. En général, il suffit d'ajouter un S à la fin du nom pour l'écrire au pluriel. Par exemple, une araignée, des araignées. Un verre, des verres. Un livre, des livres. Les noms qui se terminent par un S, un X ou un Z ne changent pas au pluriel. Par exemple, une souris, des souris. Une courroie, des courroies. Un nez, des nez. Les noms qui se terminent par EAU prennent un X au pluriel. Par exemple, un seau, des seaux. Un taureau, des taureaux. Un chapeau, des chapeaux. La plupart des noms qui se terminent par AU ou EU prennent aussi un X au pluriel. Par exemple, un tuyau, des tuyaux. Un feu, des feux. Enfin, comme un devoir, vous allez mettre les mots suivants au pluriel. Une fourmi, un oubli, un clou, une fille, le chien. Au revoir et bon travail, mes amis!